J'aime pas la pluie. Rapido, je déprime quand il pleut. Masse-moi la nuque. Ah, je ne suis pas ta mère et en plus c'est l'heure de mon bain, salut. Attends, j'ai besoin d'un gros câlin. Tiens, voilà, tu veux un câlin, voilà, allez, salut. Si l'eau continue de monter, ça va très mal se terminer. Oh, qu'est-ce qui va nous arriver? Ce sera la fin, on va tous mourir noyés. Bah parle pour toi, moi je sais nager. Je suis trop mignon pour mourir noyé. Et là, faut rester zen, les gars, il faut être positif dans la vie. Il va s'arrêter de pleuvoir et il y aura la décrue. Ouais! Te méprends pas sur mes intentions, Josiane. J'ai juste besoin de toi pour nous sortir de là. Bateau, droit devant! Bien, Jo, tu peux pas le rater! Est-ce que vous allez vous dépêcher, Smetana? Ce serait dommage de couler à cause d'une pluie au plafond. Bon sang, mais j'ai de la solution. Il faut qu'on quitte cette zone de pluie. Capitaine, moi, il faut vraiment que ça aille au cabinet. Oh. Aïe! Rasmo! Qu'est-ce que c'est que ça? Un nounours en peluche? Oh, comme il est mignon! C'est un vrai, il est vivant! Oh, merci, Rapido! Stop! Tu crois peut-être que t'as affaire à un débile. Je sais très bien que c'est toi qui as fait monter cet animal à bord. Tu connais le règlement. Mais c'est le... Pas de petits mammifères sur ce navire. Pas dans une poubelle, il va étouffer là-dedans. Mais si, il est très bien là. Génial! Tout un tas de nouveaux copains! Allez, copains! Rasmo! Tu vas me faire descendre toutes ces sales bêtes de mon canapé! Et ça, tout de suite! Ce sont des animaux comme les autres, ok? Si tu crois que le rat est supérieur, eh ben, tu te trompes! Tu reviendras quand tu seras mieux disposé, d'accord? Bon, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui! Santé! Vous dégagez de mon bateau! Eh, il resterait pas des cacahuètes? Bouge pas! Quand il y en a plus, il y en a encore! Et ici, c'est notre garde-manger. C'est spacieux. Qu'est-ce que ça dégage? C'est le fromage, en fait. C'est bon. C'est la première fois que j'en mange dans ma vie. Et pour mes cacahuètes, alors? Ça va, là? Y'a rien qui te dérange? Eh ben ouais, faut pas te déranger surtout, t'es en train de donner tout mon fromage à manger aux autres. Rapido, quand on est un gentil rat, on partage avec ses amis, ça se fait. Oui, sauf que c'est pas du tout mes amis. On est quand même mieux au soleil. Mais qui vous a demandé d'arrêter de frotter? Tiens, tiens, si je me faisais aider par l'équipage pour éjecter les intrus. Donc. Mais c'est quoi votre problème à vous? C'est lui là, c'est ce rat, roulé comme un aime. Oh,
Des animaux sauvages dans la cale. Marche arrière, n'ayons l'air derrière. Quoi? Fais ce que je te dis, j'ai un plan. Mais vous allez où? Revenez! Attendez, revenez! Il faut mettre ces animaux dehors, moi j'en ai rien à faire! Rapido! Me dis pas que tu les as balancés aux humains! Oh, mais quel pourri celui-là, dis donc! Nous sommes riches! Ces bêtes sauvages doivent valoir cher dans le commerce! Ouh! Je te crois! Hein? Ah. Oula! C'est pas bon ça, hein? Surtout ne paniquez pas. Là, je crois qu'on s'est fait avoir. Bon, moi non plus, je vais peut-être pas traîner, hein. C'est trop coincé, j'arrive pas. On va tous mourir. Vous en faites pas, les gars, ça peut pas être pire. Ça peut donc que s'arranger. Rapido n'a pas vraiment fait exprès de nous entraîner là-dedans. Hein? Oh non! Non, non, arrêtez, arrêtez, les gars. Non, 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 ça sert à rien. Te mêle pas ça, petit. Oh là là, on arrête. Non, non. Non, 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 on fait la paix, on fait la paix. Allez, allez, tout le monde est d'accord. Regardez, regardez tout ce qu'il y a à manger. Regardez, on peut même se faire une maison en fromage pour vivre dedans. Dégage! Hey, c'est quoi ça, là? N'importe quoi, la violence n'est pas une solution, d'accord? Au contraire, on doit s'aimer les uns les autres, s'entraider comme des vrais copains entre copains pour s'en sortir. Attrapons-le! C'est à l'autre maintenant qu'on va faire sa fête. Sa bête! Sors de là, on aurait un ou deux mots à te dire. Y'a personne ici, y'a que du fromage, y'a personne. Mais non, ça c'est pas juste assez de la triche, vous avez un cochon avec vous. Comment c'était chaud pour moi? Oh. Ils vont me manquer. Cinq mille cent. Tiens, parrain, tu en vas les compter, ces animaux, nous aussi, hein? Ouais, et il a intérêt que ce soit de la bonne qualité. 6 000 taureaux, c'est parfait. Le compte est bon. Un peu, mon neveu. Bon, allez, envoie les animaux, maintenant. Les voilà! Vite! Attrapez-les! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur est blagueur? Et dès le matin? J'ai une super collection de nœuds marins, si vous voulez. Oh, il est... oh non! Oh, Picasso! On s'en passe! Hey, regardez, réveillez-vous les gars, on a atterri au paradis. Eh ben, qu'est-ce que ça dégringole, dis donc. J'adore la pluie, moi, c'est chargé d'ions positifs, ça vous revigore l'âme et vous ouvre l'appétit, tiens, j'ai une petite faim. Voyons voir, il doit rester un fond de soupe aux champignons, non? Oh, encore mieux, du cassoulet. Referme, tu vas te faire repérer. Qui c'est qui a dit ça, là? C'est moi! Referme maintenant, d'accord? Oh! Eh, hey, mais j'ai faim, moi, hein! Attends, pousse-toi un petit peu dans le coin, là, histoire que je récupère la petite saucisse, là. Non, attends, regarde, bouge! Dégage!
Mais qu'est-ce que je vais manger, moi? Tiens, lève-la ton repas, maintenant oublie-moi. Reviens, rapido. Il y a déjà 2 jours qu'ils sont partis, bon sang. Jamais dit le contraire, mais des fois j'aimerais bien manger un petit bout de poisson, ça c'est vrai, j'aime. Oh là là, oui, ça c'est sûr, je vendrais ta chemise pour un bout de poisson. Waouh, il doit être énorme celui-là. Ah, ma spécialité, sushi à la grande. Par ma barbe blanche, quelle est cette chose gigantesque? On dirait un poteau électrique sculpté. Bah en tout cas, c'est super moche. Jamais je mettrai ça dans ma cuisine. Vous voulez que je les balance à la mer, mon capitaine? Non. En tant que matelot, nous n'avons pas le droit de souiller les océans. Descendez-le dans la soute. Nous nous en débarrasserons comme il se doit dans le prochain port. À vos ordres, capitaine! J'ai mal à la tête un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aucune idée. Si on descendait pour voir. Non, tu marches sur le nez! Oh, ce que tu peux être douillet! Attends 2 secondes, je vais attraper une prise. Vas-y, prends ton temps, c'est juste... Mon œil! Au secours, rapido! Je suis trop jeune pour mourir, s'il te plaît! Attends, lâche-moi, je tiens plus! Je glisse! Ça va être très dangereux! Waouh! Comment c'est trop mou par terre! Très 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 intéressant! Rapido! J'ai trouvé ce que c'est! Écoute! C'est le totem de Rakanak, le dieu tiki des océans. Mais la légende dit que quiconque le délogera des profondeurs de l'océan souffrira de terribles migraines toute sa vie. Mince! J'ai fait tomber mon livre! Très curieux, ce poteau électrique, ce qu'il... Bah alors! Ça, c'est la meilleure! C'est le dieu de l'océan! Mon livre! Un sushi volant! Hey! Dû manger! Il fait tout rose ici, c'est bizarre! J'ai comme un vertige dans ma tête! J'ai les oreilles qui me bourdonnent! J'entends des drôles de voix, franchement! Rapido, viens voir, il y a le totem, il essaye de me dire des trucs, du coup ça me fait des frémissements dans le ventre, ça me fait... Dis-moi ce que tu désires, oh grand rabacin, Contas, je jure de t'obéir. Oui, reposer au fond de l'océan des mers, mais oui, bien sûr, c'est ça. Rapido, mon copain, tu sais quoi? Le totem, il m'a parlé! Il veut retourner au fond de l'océan, c'est incroyable! Sinon, il y aura des grosses migraines et beaucoup de vaudou! Comment on va faire? Pas mal le coup du bout de bois! Viens parler avec mon poisson maintenant! Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a, chouchou? Bon, alors qu'est-ce qu'on attend? Patience, petit homme! La pêche, c'est plus difficile que la cuisine! Moi, petit homme! Mais attends, je suis le Michel-Ange de triple soufflé au fromage. Qu'est-ce que tu crois? Un peu de culture, mes enfants. Il semblerait que notre petit ami de bois soit en réalité une pièce unique d'une valeur inestimable. Nous devrions peut-être le présenter à un musée. Le faire expertiser pour connaître sa valeur véritable. Bingo! Cap sur le musée! En avant, tout!
ça va mieux? Parce qu'il n'y a rien de tel que les bananes contre les migraines. J'ai lu ça dans un livre, Rico Martino. Oui, j'obéis, grand Pocramontas. Au fond de l'eau, tu vas. T'as dit quelque chose, là? Parce que j'entends pas grand-chose. J'ai quasiment une banane. Le plein de billets, encore et encore. Plein de petits billets, on a trouvé notre trésor. Il faut absolument remettre le totem au fond de la mer. Rapido, aide-moi! Rapido, viens m'aider, mais dépêche-toi, mon tante, tu fais! Vite, mais Titi! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais t'es sourd ou quoi? On va remettre le totem au fond de l'océan. Oh, ça va pas être si simple. Comment comptes-tu procéder? Regarde bien, beau brun. Bon, là, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait maintenant exactement? Je coule le navire. C'est très bien, en fait. Tu coules la maison. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Je peux pas couler le navire, je suis bête. Oh, mais non, au fond, je te trouve pas si bête. Millions, billets, pièces, on s'en fiche. Millions, on va bientôt être riches. Allô, le musée de l'ancien monde? Bien, nous avons en notre possession le seul et unique totem de Racamac. Alors, préparez vos millions, on arrive. J'ai des fils de bananes plein les dents. Oh, j'ai trouvé un truc. Quoi? Mais c'est simple! Il suffit de détourner le conduit de la chaudière et de l'utiliser comme un canon haute pression pour faire basculer le totem par-dessus bord! Étape numéro 1, déboulonner le conduit! Étape numéro 2, utiliser du chewing-gum pré-mâché pour souder les conduits entre eux! Vite! Passe-moi le tien, copain! Parfait! Étape numéro 3, braquer l'autre extrémité du tuyau sur le totem. Étape numéro 4, lâcher la pression. Waouh, t'as réussi à mâcher tout ça. Oh, la bulle. Faut que je trouve un truc vite. Ouais, ça y est, j'ai un truc vite. Millions, on va s'offrir des voitures. Millions, sans vouloir t'empêcher de manger, tu me filerais pas un coup de main? J'aime pas travailler la bouche pleine. Arrête de ramer, t'attaques le plafond. Avant toute chose, j'aimerais pouvoir voir cette statue. Vous ne serez pas déçus. Parole d'Écossais, je vous en prie. Vite, vite! Aide-moi, fermez la porte! Ouais, c'est bon, j'y vais, c'est bon. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je me demande qu'est-ce que tu deviendrais sans moi. J'ai un petit peu mal. J'ai le plaisir de vous présenter Racamac. Millions. À vue de nez, ceci est une vulgaire statue de fromage. Ça vaut 60 cents la demi-livre sur la place du marché. Mais oui. Voici le montant de mes honoraires. J'ai compté mes frais de déplacement. Ainsi que le prix de mon expertise. Bon appétit! Une facture de $1,250. Jetez-moi cette saleté par-dessus bord. Avec plaisir. Mmh.
Le capitaine a dit tu dégages, alors tu dégages. Et voilà, il est parti. Au revoir mon Rakana Giamana. Rapido, tu sais comment il s'appelle déjà parce que j'ai oublié. Tu fais. Moi je me suis juré de tout finir pour midi. Au rythme d'un kilo par minute, je n'aurais jamais fini. 14h minimum. Impossible avant. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui a bouffé tous nos fromages. Waouh, ce truc doit avoir des mâchoires énormes. Ah, ça rentre pas. Ça venait de par là. C'est quoi cette espèce de rat? Il est énorme! Hé! Hey, gros lard! Mais où est-ce qu'il se croit celui-là? Hé, hey, c'est chez nous ici, hein! C'est notre fromage que t'es en train de manger, dis donc! Permettez-moi de me présenter, Ratloukoum, sérénissime gourou diplômé de la faculté d'auto-illumination. Puis-je vous proposer mes services de guide spirituel et vous aider à trouver la voie qui mène à la paix intérieure? La paix intérieure, c'est génial, ça m'intéresse. Alors, c'est parti. Faites-moi faire le tour des propriétaires. Ah, ah, oui, vous savez, je sens de très bonnes vibrations par ici. Ça serait pas plutôt ton estomac qui gargouille? Ça va, monsieur? Le Tao du rat, c'est du Tai Chi Chou, Waya. Oui. Apprends-moi. Seulement si tu es sérieux. Oui, promis. On aura tout vu, hein, prof de Tachayoy. Ça, c'est un distributeur de fromage chaud, c'est génial. Regarde, c'est instantané. Waouh, je me ferais bien une petite fondue. Tu veux l'inaugurer? Même Rapido, il n'a pas essayé. Ouais, et puis d'abord, ça l'intéresse même pas, lui. Maintenant, recueillons-nous avant de manger ce fromage exquis. Une fois débarrassé de ces deux comiques, je m'installe ici, je décolle plus, et à moi la belle vie. Attention, c'est brûlant. Viens avec moi, allez, on fait une course de ratboard. Rapido, je t'ai déjà dit de pas faire voler ta ratboard dans le salon. Cela pollue grave et ça brouille mes chakras. Excuse-moi, mais celui qui pollue, à mon avis, c'est ce gros lard plein de bouddha, gouda, je sais pas quoi, là. Non, elle est là, comment il est mal poli. Hey, Rasmo, c'est l'heure de Zen Academy. Zen Academy? J'y vais! C'est une émission de télé-méditation. Génial, c'est plein de suspense. Reste avec nous, c'est excellent pour ton karma. Ok, moi je reste pas une minute de plus et je me casse. Mon petit Rasmo, continue tes exercices de méditation, je reviens. Bon bah y'a mon frère. Écoute-moi bien, espèce de crota. Si tu continues à la ramener, c'est moi qui vais te faire maigrir à coup de Tai Chi Lu. Et tu vas en manger de la purée, parce que tes dents, je vais les... De la purée, tu dis? Il va falloir qu'on cause tous les deux. Hé hey. Ta présence est gênante hey. Ici, tu dégages trop de mauvaises ondes. Et tu commences sérieusement à me gonfler avec tes scèneries, toi, hein? Je te rappelle qu'ici, c'est chez moi. Alors tu vas boucler tes valises et mettre les voiles. Bon voyage. Allez, rassure-toi, ton petit copain te rejoindra bientôt. Rasmo, au secours!
Regardez-moi ce pauvre crétin, il a gobé toutes mes salades sans ticket. C'est le moment de passer à la phase 2 de l'opération. Goûtez zen. Ouais, génial. Ah, quel dommage que Rapido ne soit pas des nôtres. Mais je vais le chercher. Trop tard, il est parti. Comment parti? Il s'est envolé tout là-haut vers son destin. Parti? Il a vu la lumière, il a entrepris un voyage spirituel. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il partait sur les traces de Claude François ou d'Elvis Presley. Je ne sais plus lequel de ces deux peintres. Je connais Rapido, il a sûrement une idée derrière la tête. Il doit vouloir sa photo avec Elvis ou Clo-Clo. Oui, c'est ça. Il veut que tu le retrouves là-bas. C'est vrai? Absolument, il m'a dit, demande à Razmo de me retrouver sur le pont devant la montagne magique. Hein? Mais c'est où la montagne magique? Marche vers l'ouest pendant à peu près 2000 km et une fois arrivé en Belgique, tu prends sur ta droite. En Belgique? Rappelle-toi les paroles de Gandhi Raton, la marche à pied c'est bon pour la méditation, à condition d'avoir de bonnes chaussures. Ah bah ouais, si Gandhi Raton il l'a dit, ça c'est sûr qu'il faut... Bon bah c'est par là, c'est vers... C'est bizarre quand même. C'est ça, tire-toi, il ne revient pas couvrant, d'où il est bon débarras. Voyons, 2000 km en marchant à 3 km à l'heure et en m'arrêtant pour manger, dormir et aller aux toilettes, j'en ai au moins pour 2 ans si je marche bien. Mais attends, mais j'y pense. Mais attends, mais en ras-de-bord, je vais super vite, je vais comme ça, je vais... Comment je suis intelligent. Au secours, sortez-moi de là, au secours. Mais qu'est-ce? Une malbougeante qui bouge? À nous deux, espèce de gros lard! Bah qu'est-ce que tu fais là, Rapido? T'étais pas parti pour la montagne magique du Yeti? La montagne magique? Oh là là, j'adore le film! Attends, j'y crois pas, non mais... Attends, il m'a fait ça à moi? J'ai failli aller en Belgique à cause de... Attends, un gros rat comme ça, tu me prends pour un imbécile, c'est ça? J'ai une petite faim, moi. Oh zut, elle est vide. Oh mais je suis bête, il y en a plein la colle. Un gougou, un gouda pour mon estomac qui a faim. Regarde-le-moi en jupe si flottante là. Il se croit chez lui, alors ça y est, c'est parti, c'est la fête. Il va pas dans le bon côté qu'on a dit. T'inquiète pas, rase-moi, tout prévu. Youhou, je suis pas passé loin. Oh, on l'a eu. Ouais, on est les champions. Allez vite, on passe à la suite. La grosse tome de mes rêves. Moi qui t'attendais depuis si longtemps, je t'ai enfin trouvé, mon amour. Mais ça pèse rien du tout, y'a plus qu'à croûte. J'ai faim, miam miam. Je suis le grand méchant fantôme des fromages. J'ai de la moutarde, j'ai du fromage, mais j'ai pas de C'est sûrement mon esprit qui me joue les tours. Ton visage quand tu nous parles. Mais c'est son visage, regarde bien. Ah, pardon. Ah, je veux pas mourir. Allez, Rasmo, dis-lui au revoir.
Bye bye. Surtout, oublie pas un truc, c'est de m'envoyer une carte de la Belgique. Raz, c'est quoi ce truc? Ah ça, c'est un distributeur de fromage, regarde. T'as vu ses mains? C'est Loukoum, il a adoré. Loukoum a adoré? Ouais. Ouais, bah ça m'étonne pas du tout qu'il ait adoré. Ce mec-là, il aimait que les trucs pourris comme lui. Attends, je suis pour rien si Loukoum il a aimé ma machine, ça veut pas dire qu'elle est nulle. Ouais, te fatigue pas, ta machine elle est nulle, Loukoum il est nul, et toi t'es nul, point à la ligne. Je vais t'en coller une, je pense. Voyons un peu, nous avons 12 tonnes de bananes et 8000 nains de jardin en céramique à convoyer jusqu'au Brésil. Je vais pouvoir faire plein de beignets flambés à la banane. Pas question, on n'a pas le droit de toucher à la cargaison. J'en ai plus que marre de manger du fromage. Je veux des bananes. Oh, qu'est-ce qu'il est amusant quand il se met en colère. J'ai pas le bras assez long, j'arrive pas! Tu veux un petit coup de main? Mais quel maladroit, va falloir que je m'y colle! Tiens! Hey, merci, hein! J'adore faire trempette dans mon café! Moi, mes croissants, je les préfère nature. Tiens, c'est marrant ça! Ça, il rouille banane, celle-là! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ma femme, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est la pagaille? Je crois qu'on a tout un régiment de passagers clandestins. Oh, allez, capitaine, une banane ou deux, c'est pas beaucoup. C'est ça, quand vous aurez battu Svetlana au bras de fer. C'était. Vous feriez bien d'aller jeter un œil. Capitaine, la porte refuse de s'ouvrir. Razmo, t'as vu ça? Il a soudé la porte. Jamais vu autant de Père Noël. Ma parole, il y en a des dizaines et des milliers. C'est carrément une armée. Oh, regarde rapido, la chef des Pères Noël. Écoutez-moi les nains, nous allons passer à la phase numéro 2. Yeah. Carrément. Ils enlèvent leur peau. Ah, mais c'est des singes, hein? La phase 1 est un succès. Nous avons réussi à prendre le contrôle de ce navire. Bientôt, nous serons chez nous, avec suffisamment de bananes pour vivre des années. Et la première chose que nous ferons en arrivant sera de couler le navire. T'as entendu? C'est horrible. Ouais, ils vont embarquer toutes les bananes, et alors? Il y a sûrement des habits à ma taille, là. Rapido, t'es sourd ou quoi? Mais ils disent qu'ils veulent couler le navire. Regarde-moi quelle classe ils ont, ces singes. Hein?
Oh, le chapeau avec les trois boules, j'adore. Bien sûr. Je sais comment on va les arrêter. Comment? Franchement, je suis pas un génie. Je suis pas certain que ce soit mon style. Mais avec ce déguisement, mais tu penses pas on va pouvoir infiltrer l'ennemi et le combattre de l'intérieur? Et je pourrais triompher de ces singes malfaisants. Oui, non, enfin, t'emballe pas. Le mieux, c'est que je le fasse tout seul. Salut. Oh! Ouais, mais tu dormais à la réunion, faut enlever le déguisement, on est passé en phase 2. Ne mangez pas les bananes, elles sont pourries. Elles m'ont rendu malade comme un chien. C'est pour ça que je garde mon déguisement. J'y ai perdu mon nez, et surtout, beaucoup plus important, regardez ma queue, plus un poil. Ces bananes sont génétiquement modifiées, ne les mangez pas. Oh la misère, mais qu'est-ce que je vais manger? Du fromage. Il y en a plein la soute. Hey, c'est bon. Avec de la compote et du beurre, c'est du délire, je te raconte pas. Bon, écoutez-moi tous. D'abord, on mange le fromage. Et quand on a fini, on coule les lévis. Bien joué, super. Maintenant, ils vont manger tout le fromage avant de couler le navire. Super. Mais quel bon abruti, c'est ma caque. Il va encore falloir que je me mette au boulot. Oh là là, mais faut que je trouve un moyen d'arrêter le massacre. Le fromage est trop beau, ça a le goût de banane, mais en plus fort. Arrêtez! Ne mangez pas ce fromage, là. Ils ont dépassé la date d'expiration. J'ai mal, je peux pas respirer, j'étouffe. Mes intestins me brûlent. J'en peux plus, je vais exploser. Je meurs. Adieu, monde cruel. Ah, c'était super avant. Quel acteur, mais quel acteur. Oh non, mais t'aurais dû voir, c'était génial. Trop fort, je suis trop fort. Ils étaient littéralement suspendus à mes lèvres. Aïe, 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 aïe. Je suppose que tu es fier de toi. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent tes conseils, ils jettent le fromage périmé. Tu crois que ça va marcher? T'inquiète, j'ai vu ça sur internet. Pour faire fuir un chimpanzé, eh ben faut qu'un rat se déguise en gorille. Jetez-moi tous ces fromages contaminés! Oh non! On est en train de perdre toute la cargaison. Allons, Svetlana, faites un effort, un peu de conviction. Je reviens tout de suite. Plus vite! Plus vite! Let's jouer, c'est moi l'acteur, hein? Allez! Et regardez, c'est la maison! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Allez, rapido! Allez! Ben voilà, on te présente maman. Maintenant, tu peux lui parler.
Hein? C'est moi le roi des singes! Qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau, c'est mon fils. Allez, qu'est-ce que t'es beau, toi? Wow! Bien joué! Tout le monde sur le pont! Allez, on s'en va rapido, allez, 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 vite, vite, vite! Hein? Faut toujours que tu te la racontes, hein. Tu peux pas monter normalement? Je vais vous réduire en bouillie! Et rapido, lève-toi, s'il te plaît, regarde la grosse rouge. Je vous tiens! Capitaine, j'en tiens deux! Capitaine, je vous ai rapporté les coupables! Mais, où ils sont passés? L'ouverture des portes, c'est votre truc. Eh ben, dis donc, on l'a échappé belle, hein! Elles sont super, nos nouvelles fringues, tu trouves pas? Hein? Hé, hey, mais touche pas à ma jupe, t'as qu'à manger ta jupe d'abord, pourquoi? Ouais, mais... Allez, à un meilleur goût, la tienne. Laisse mes bananes tranquilles. Allez, s'il te plaît, juste une dernière. Dès que je vois ton slip, j'arrête.